Allez, petite vidéo à l'arrache avec Sen. Qu'est-ce qui te fout le plus le seum à l'heure actuelle? Là, tout de suite, je pense aux mecs qui font semblant. Qui font semblant, qui n'ont pas de vice, qui n'ont pas de péché. Moi, j'aime bien le péché, j'aime le péché. Non, mais attends, j'aime voir les gens dans le péché. Ah! Phrase de ouf, phrase de ouf. Qu'est-ce que t'aimes dans le péché? Qu'est-ce que t'aimes dans le vice? Une sorte de saveur. Épicé, Non, une saveur. Aigre douce. Non, mais en fait, tu touches un peu au. Citronné. En fait, tu touches au côté réel de la vie, on dirait. Enfin, il y a un côté adrénaline. La vie, c'est le vice. Les petits qui me regardent, on est toujours de faire. Sans, je suis obligé. Les petits qui me regardent, on parle pas de drogue. On parle pas de drogue. Commencez pas à me saouler. Est-ce qu'on parle de drogue? On parle pas de drogue. Je fais rien. Trop bien la tête que t'as fait. Mais Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je comprends pas, ta question m'énerve. Toi, tu tournes en rond, tu dis il a des vices bien. Non, il n'y a pas de vices bien. Oui, le monde est mauvais, manichéen, bien et mal, ok. J'aime bien voir le vice chez les gens. Voilà, parce que tu dis que c'est eux. Parce que j'ai l'impression que ça montre un côté réel chez eux. Voilà. Voilà, terminé. Donc, ce qui nous constitue, en d'autres termes, c'est nos vices et c'est pas nos côtés positifs. Donc, il y a des gens qui sont des gens bien et qui parfois on voit pas leurs vices parce qu'ils les cachent bien ou alors qu'ils sont simplement tellement mineurs qu'on n'arrive pas à les voir et que du coup, en fait, le côté bien, c'est pas leur vrai côté. Tu vois ce que je veux dire? En fait, non, je me suis très mal exprimé. Oui. Mais je pense qu'en fait, j'aime bien les gens qui font part de leur part d'erreur. Ils arrivent vraiment, ils disent pas, moi j'ai fait ça, je suis là. J'aime bien les gens qui arrivent, ils disent, j'ai fait ça, mais putain, j'avoue, j'ai eu du mal à faire ça. Toi, ça, c'est moi, j'aime bien. Ce mec-là, il est exceptionnel parce qu'il a aucun tabou sur les vices ou les faiblesses, tu vois. En fait, j'aime les erreurs, voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas courant les gens qui assument. T'es comme moi, mec. Ouais. Je trouve que c'est comme ça qu'on avance, mec. On avance de ouf, les mecs. Quand t'admets tes erreurs, mais oui. Forcément, tu vas avancer après. Mais mon gars. Non, mais la vérité. Bien sûr. Non, je suis d'accord. Est-ce que je suis en train de me taper des barres là? Le mec qui assume pas ou qui a une fierté. Ça dépend de la fierté, encore une fois. Mais ouais. Tu es nuancé, ça m'énerve de nuancer trop de fierté, mon gars. Ça a ralenti au max, mon ref. On en connaît un. Sen, quel est ton artiste préféré? Il est mort depuis 4 siècles. Mozart? Non, ça c'est 3 siècles. Van Gogh là? Van Gogh? Celle-là, on la garde. On la garde. Allez, on la garde. Bon, assume. Allez, j'assume. C'est qui? En plus, je sais même pas c'est qui. Jean-Sébastien Bach. Ouais. Cet homme-là, il est divinisé. Il est possédé par la. C'est quoi ça que c'est africain là? Cet homme-là est possédé. Il est mec. Vas-y, dis pourquoi t'aimes bien ce mec. Non, parce que cet homme est possédé par la grâce divine. Et il a travaillé pendant toute sa vie. Jusqu'à la fin, il est devenu aveugle. Pour moi, c'est ça un artiste complet. Repose ton boule, mec. Tu sais, je connais quoi de lui? Ouais. Je connais la valseuse. Les valseuses. Attends. C'est Gainsbourg. C'est pas Gainsbourg. C'est pas Gainsbourg, wesh. C'est Björk. Vas-y, c'est bon, musique classique, je connais pas trop. Bon les gars, petite vidéo, tranquille là, non? Ça va? Bon vas-y, hein, prenez soin de vous. Hein. Ta conclusion, faut les buter, elle était naze. Vas-y, je suis désolé. Ciao.